Invité par son homologue RD congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo est arrivé à Kinshasa ce samedi, en fin d'après-midi, par hélicoptère qui a atterri sur l'héliport du nouveau palais présidentiel du Mongalema où l'attendait le maître du lieu. Une visite de travail et d'amitié au cours de laquelle les deux personnalités vont aborder plusieurs questions liées notamment à la coopération bilatérale et régionale. Liées par la géographie et par l'histoire, Kinshasa et Brazzaville ont intérêt à entretenir des relations de bon voisinage en toutes circonstances. La crise sécuritaire inhérente au mouvement des personnes fuyant les conflits interethniques à Kwamout par le fleuve Congo et ses conséquences humanitaires sur les deux rives est l'un des sujets phares au centre du tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Une autre question qui suscite la curiosité de l'opinion, c'est celle liée aux accords signés entre Kigali et Brazzaville en avril dernier, des protocoles d'accord dits d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Le tête-à-tête de ce samedi va à coup sûr dissiper tout malentendu autour des rumeurs de nature à entacher des bonnes relations séculaires qui ont toujours caractérisé les deux nations sœurs. L'entretien de ce samedi fait suite aux précédentes entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso, la dernière en date et celle du mois de juin dernier où les deux personnalités s'étaient vues deux fois à Oyo et à Kinshasa. Kinshasa et Brazzaville sont également politiquement impliqués dans le projet de construction du pont route-rail qui va relier les deux capitales dans le but d'accélérer les échanges commerciaux entre les deux pays et d'assurer la continuité et la fluidité du transport le long du corridor maritime du Bief Atlantique. La question de la gestion des forêts du bassin du Congo au lendemain du pré-COP 27 organisé par Kinshasa, dont la suite est prévue dans les jours qui viennent à Sharm el-Cheikh en Égypte, concerne au plus haut point Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso. La rencontre de Kinshasa est une occasion pour les deux chefs d'État de faire le tour d'horizon d'autres questions d'intérêt commun afin de renforcer la confiance mutuelle entre les deux pays voisins et leurs peuples respectifs.